complètement. Oh, c'est quoi là? Star Beauty. Star Beauty, Star Beauty, Star Beauty, c'est rempli. Bye Amsterdam. Je suis Bye Amsterdam. Star Beauty, Star Beauty. Star Beauty est rempli. Star Beauty, Star Beauty. Ça peut aller sur le plastique là, non, comme ça, parce que ça va vous aider. Ici, attends, on va aller sur le truc là, non, à côté. Et là, c'est les. Oui, ça peut aller là, ça ne pèse pas. Okay. Il y en a aussi. Avant là. Donc tu diras mon sang. Pourquoi il va happer? Non. Derrière, c'est pas plus. M'empêche de parler, et parler. Pour avoir le on peut contrôler ça. Je t'ai dit que. La hashtag YouTube. Moitié de 200 000 euros qui portent les produits. C'est grave. Ok. Mais ça, les produits là, qu'on va acheter une nouvelle. Hein? Puis avant, les produits, il y en avait. La bouche des bicorps. La bouche des bicorps. Yes. Est-ce que j'ai attendu les produits pour acheter? La bouche des bicorps. Si ça ajoute, tant mieux. Bon. Enfin, joli là. Faites bon. En tout cas. On a passé une très belle nuit. Hein. Mm-hmm. J'ai fait parler les gens. En tout cas, c'était super le week-end à salle. Surtout la dernière nuit était fructueuse. C'était grave. On s'est dit à. Voilà, le point était. Sûrement dans deux, trois semaines. En deux, trois semaines, c'est dans, ça. Oui, oui. Dans deux. Mm-hmm. Nouvelle commande arrive. Ah d'accord, ok. Voilà, bah, c'est bon alors. Ouais. Si ça tombe pour le 13, c'est bon. Le ah ok. Le week-end du 13. Tu bouges après? Non, je ne bouge pas. Ou bien le week-end après, je sais pas. Oui, celui d'après. Celui d'après, c'est bon. Ok ma, bisous. On va encore. Fais comme ça. Allez, bisous. Love you sister. Merci. Allez, rentrez bien. Ah, merci ma. Merci. Je vous love. On te love aussi. Ciao. Oups. Non, il fait froid. Hein? Yeah. Bye. Bon, c'est là le chemin là en retour. Ok. Bonjour les mamounes. Et livraison. Et on prend. Ah, d'abord livré. D'abord. On se lave là. On s'amuse, on se lave en même temps. Bonjour tout le monde. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour Manke. Quand on est commerçant. Tournez à droite sur Renard. Puis tournez à droite sur boulevard Victor Hugo. Quand on est commerçant.
Moi, je vais commencer à mettre... Je vais commencer à mettre une taxe dessus. Hein. Tous ceux qui sont livrés par ma Cayenne, il y aura une taxe supplémentaire. Tournez à droite sur boulevard Victor Hugo. Bon, toutes celles et ceux qui seront livrés par ma Cayenne, on va mettre une taxe supplémentaire. Je pensais que c'était la Cayenne de Star Beauty. Non, comment c'est Star Beauty? Que les transportes Star Beauty. Non. Donc maintenant, ce sont deux personnes. C'est pas deux personnes, ça n'a rien à voir. Comment ça, on parle des produits. Et Star Beauty, c'est pour lui. La Cayenne, c'est pas une voiture de transport. Star Beauty, c'est pas pour toi. La Cayenne, c'est pas transport, c'est ce que je dis. Et si je mens, j'ai pas dit que. Mais je dis que je parle du transport. Dans son lettre. Donc. Utilisez les trois voies de gauche. Les femmes là. À chaque fois vous avez une taxe. Les mamans, j'ai raison. Non? À chaque fois vous avez une taxe supplémentaire. Ne vous plaignez pas parce que la Cayenne coûte trop cher. Non. Elle n'est pas faite pour le transport. Aïe. En temps normal. J'ai le teint, regardez les doigts. Regardez le teint de l'enfant, regardez. En temps normal, je serais encore en train de dormir. Sans filtre. Et prendre ma route tout doucement. Le Prendez les bons produits comme Stab. Stab, ça a les bons produits. Quand tu vois Stab, mais ça en vrai, tu dis non, tu dja, ta peau dja. Ce n'est pas ma peau dja. C'est sans filtre. À l'intérieur comme à l'extérieur, c'est la même chose. Star Beauty. Regardez le père, regardez comment le père il shine. Même si je shine, je vous ai dit. Regardez comment il shine. Taxe supplémentaire. Hein? Au lieu de dire merci à Star Beauty, il nous embête. En temps normal. Je libère mon hôtel à 13h, je prends ma route tout doucement. Mais là, je dois me réveiller à 9h30. 11h partir. Parce qu'il faut rentrer dans les bouchons de Paris. Livrer et prendre la route. Je cherche l'argent. On s'amuse. Même le coup du matin, on est pressé de le tirer. Parce qu'on a rendez-vous. Vous trouvez ça normal? Grave, hein? Tout le temps avant, on prenait le temps. Maintenant, on est pressé. Le temps. C'est ouais, grave. Hein? Rose, mon derrière. Là, c'est grave. Vous savez comment j'ai une particularité pour Paris. Mais là, maintenant, mon coup du matin, je dois être pressé. Coup de matin, bam. Parce que j'ai rendez-vous. Grave. Hein? Maintenant, je monte. Là, c'est. En ce moment, je tire chapeau aux commerçants. Non, pas du tout, c'est la lumière. Pas du tout. Police signalée sur votre trajet. À côté de moi, c'est normal. Quand le père est en train de... Tu vois, déjà, tu ne cries pas. Quand tu vois un petit truc, personne passe sous le tunnel, tu écris vite. Vous les envoyez des démons qu'on envoie à la fête. Attention. Ma grande sœur préférée. On vous bloque très vite. Hein. Je suis toujours... Les envoyer de l'axe du mal. Quand vous venez là, restez tranquille. Regardez, ne dites rien. Ah bon? Elle dit, je suis toujours choquée que vous avez un bébé de mon âge. Ah bon? Ah, c'est la grâce de Dieu, ma fille Rosa. La grâce de Dieu. Donc, tu as 32 ans. Donc, tu es ma fille. C'est Dieu qui donne. Nathan pour tous à débat. Bonjour tous à débat. Oups. Ah bon? Oh là là, ça fait plaisir. Me conserver parce qu'il y a, il y aura beaucoup de petits et arrière petits enfants, donc tout cela doit me trouver encore solide. Je dois accueillir mes petits et arrière petits.
enfant étant encore solide. Donc je n'ai pas le droit de vieillir façon là. J'aime un peu moins. Ah, super. Franchement, merci. Sortez à droite. Puis utilisez. Bonjour, notre divine bicoque. Hey, les bicoques. La veuve a dit que c'est veuve joyeuse bicoque. Elle a d'ailleurs crié veuve joyeuse bicoque. Tout le monde est bicoque. Rien bien, bicoque. Les bicoques ont pris le pouvoir. Ouais. Ah, c'est trop chou. Mon mari, ma femme bicoque. Hé, auntie. Nadège a dit que vous devez encore doter pour la deuxième fois. J'attends. Celui qui a dit là que le père Noël a disparu, quand on vous dit la vérité, tu l'as dans le système, on revient. C'est là, en fait. Reviens. On va te donner tes mots. Alors, si moi-même, je suis bicoque. D'où ça te va, tu calais. Reviens, on te donne tes mots. Tu vois, un gars. Même, sur le tunnel. Regardez le teint de l'enfant. Sans fil droit. Regardez. Si je mets comme ça. Tu vois un gars qui est prêt comme ça. Regardez dans le tunnel, le teint déjà. Sans lumière, sans rien. Regardez le teint de l'enfant. Même dans le noir, ça déjà. Non, n'hésitez pas. J'étais à son. À son monde. J'étais à son Simon. Simon, c'est quoi? C'est un village pour toi. Ah, j'étais à son Simon. Ah, notre femme. Ah, ok. Ça va être bizarre. On est qu'à jazz. Bonjour. Bonjour, ma fille. Je vais disparaître pour toi. Non, reste longo là. Non, il rigole avec toi. Tu vois un gars. Nirata. Nirata, tu es nouvelle sur cette page. C'est le plus grand blagueur. Hein. Lui là. Tu vois le gars qui a signé les autographes hier au Fouquet. Tu parles de quoi? Moi, vu hier, on dit que non. Le monsieur là, on le voit souvent à la télé. On fait les photos. Est-ce qu'on est au quartier? Mais ça c'est le couple. Ah, maman. Non, les mamans, vous êtes versés comme ça par tout ça, le monde. Même les femmes ouates, monsieur. Ah là là, c'est chou, hein. Bon retour. Julienne Coty, bonjour, maman. Bonjour. Et que Jésus. Bila, ma bine. Et qu'Aït là-bas, ça a mal. Et qui est un homme ou une femme. Bon, ça. Monica Jazz. Tu es à la maison. Merci, Manke. Aïe, Thierry. Bonjour, Edwige. Boyela, Papounaye. Gomindan, Messan. Gomindan, ça va très bien. Ça va très bien. J'aime beaucoup ce nom. J'aime beaucoup ce nom. Ça traduit toute la particularité du peuple Bassa. Gomindan. Ça traduit toute la particularité du peuple Bassa. Le Bassa avait les problèmes. Il disait que le gars signe les autographes. Parlait de quoi? Moukaye. Parlait de quoi? Moukaye. Est-ce qu'on est au quartier? Bonjour. Maman, coucou maman, Julie. C'est ma Julie là. J'espère que je me trompe pas. Bonjour maman Julie.
à droite sur rue Robert Desnos. Ça, c'est ma Julie. Qui va tuner mon visage bientôt. Fais le traitement. Je t'aime fort, bête. Berlin, je t'aime fort, maman. Quand je t'écoute, j'oublie mes soucis, je garde espoir. Oh. Ok, c'est quoi la drague du matin, là, comme ça? Tiens, maman. Mais les mots là sont forts. Hein. Oh, merci maman, ça va droit au cœur. Tu es jaloux partout. L'amour là est fort. Hein? Dangereux. Hein? Mais. Oh, je t'aime fort maman. Et pourtant moi-même je n'oublie pas vite mes soucis comme ça. Oh, je t'écoute. Mes soucis. Oh, je garde espoir. Oh. Et pourtant moi-même merci. Je n'oublie pas mes soucis comme ça. Surtout quand je n'ai pas respecté. Le coup du matin était très vite, j'aime pas. Bélonia, soyez présent. Ah, le Seigneur contre. Merci beaucoup, maman fidèle. Depuis Bélonia, on est Kadja, ta fille, elle est morte de rire. I don't need that. J'aime prendre le temps. Tu es venu chez moi il y a 18 ans en van avec ton frère, petit Jean. C'est pas d'aujourd'hui qu'on se voit. C'est quelqu'un qui te connaît. Tu es venu chez moi il y a 18 ans en van avec ton petit frère Jean. Et 18 ans. Tu es à Besson. À gauche sur rue Henri Barbus. 18 ans. Avec ton petit frère Jean. Peut-être qu'il est en train de te confondre avec nous. 18 ans, ça fait beaucoup. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver. J'ai vraiment perdu. Je ne me rappelle plus. Mais comme vous êtes tous en faux profil, peut-être si tu me donnes le vrai nom, je vais me retrouver. Bonjour. Bonjour, Charlotte. Nous détectons. C'est pour ça que j'ai dit non. Ngomindan, c'est la particularité du peuple Bassa. Nous détenons le mot Mindan. Entre quelqu'un s'appelle Ngomindan. C'est Monica Jazz qui a écrit ça. Mais voilà, elle traduit ce que je dis. C'est ça, ma fille. C'est la particularité du peuple Bassa. Quand tu entends Ngomindan. C'est bien moi. Ah, ma Julie. La plus belle, la plus douce, la sexy. Julie qui était avec nous. Ah, Julie. BCBG. En tout cas, tu as tout ce qu'il faut là, il faut. Ma maman Julie. Quand tu rentres, on se retourne sur le bas. Non, elle est ce matin, Julie. Quand tu entres quelque part. Maman, t'as vu ça? Quand tu entres quelque part, même si on ne voulait pas se retourner, on se retourne. Ça c'est là. Magnifique, ça c'est l'ambiance quand on sait qu'on va placer les produits. Ah c'est ce goût là. Ok. Ah mais je vois maintenant. Mais dis donc, ça fait longtemps. Hein? Saul c'est mon. Saul mon oncle qui est pasteur. Mm-hmm. Wow. Mon cousin qui est pasteur, le beau-frère de. C'est qui a épousé la grande soeur de Régine. C'est lui qui est là. Non, c'est là-bas. C'est de lui que là. Ah, d'accord. Eh bien, ça fait longtemps. Bonjour, ça, c'est bien de Joël. Retrouver. Depuis la Côte d'Ivoire. Oh, maman Joël, bonjour. Je vous aime depuis le Cameroun, Georgie, même Thérèse. On t'aime aussi, maman. Maman, tu restes. En tout cas, bon lundi de Pâques. Hein. Tu restes amoureux de femmes. C'était un week-end assez agité, mais. Merci beaucoup, maman. Merci. C'était un week-end assez agité. Ce que Dieu réunit. Dieu merci, tout s'est bien passé. Et surtout, on rentre avec le Dieu. Hein? C'est important. Ce que Dieu réunit ne le plus séparer. Ça, ainsi soit-il. Amen. Une chose est sûre,
Mouné Kati raconte même quoi là depuis. Tu passes ton temps à oui, il vient de réunion. Ha 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 ha, Kimbon. Tonton Messan. Tu reçois à citer. Il ou elle est dans le direct et il te met le rapport de Facebook. Et si tu ne fais pas attention, tu vas se valider. Dans 100 mètres, tournez à droite sur Jean Ferrand. Non, non, pardon, je ne lis pas ton commentaire. Fais voir, je lis. Merci pour le rapport. Merci, je vais prendre note. Si je t'appelle, je vais t'appeler tout à l'heure. Julie, je dis que tout à l'heure, Julie. Julie, je dis que tu ne peux pas entrer qu'on ne se retourne pas. Tu as tout ce qu'il faut. Ça, Dieu t'a donné, il a tourné le dos. Maman, tu entends ça? C'est ce qu'on dit. Parce que tu es entré et moi-même. J'ai enlevé les lunettes, j'ai bien essayé, je ne me retrouvais plus, quoi. Je ne savais plus si c'était une star américaine ou c'est la Julie que je... Monica est derrière un robot. On a quelque part ici. Hein? Monica répond à direction assistée. Moi, je marque. Ma fille Dora, comment tu vas, ma fille? Bonjour, direction. Maintenant, bonjour. Maintenant que tu dis bonjour, ouais. Amen. L'Amson, merci beaucoup. Bonjour à papa Dora. Comment? Et si c'est ma soeur? Quand je viens à Paris comme ça, on fait. Et le Ndjoka travaille, Ndjoka travaille. Tu ne dors pas. Ah oui, Dieu aime là où il y a la paix, maman. Ça, c'est vrai, Julie. Ah, c'est vrai. Hein. La paix rajeunit, la paix apaise, la paix. La paix, c'est tout. C'est là-bas. C'est l'autre, je pense, c'est la rue là. C'est là-bas. Parce que là, on est derrière. Nous sommes sortis derrière. C'est Hinton. C'est les Dicker Baum Haus Tanne. Je dis, tu as raison. Wesh wesh de Paris, non? Oui, bonjour. Mais non, madame. Maman. On est rendu cavalonné comme ça, on est aux autres. Par ici, avec le chorobi. Vous avez fini avec le chorobi. Et française.
Allez, le chauvis. Change. Les Allemands, là. Les Allemands. Les Français. Oui, bonjour. Maman, Bartusenda, va avec tes triplés là. Bartusenda avec tes triplés. Va avec. Triplé. Mémé, bonjour Sistou, c'est comment? Mémé. C'est tout ça comment? Bonjour. Bonjour, bonjour, mémé. Déjà réveillé. Mémé a dit que quand elle fait l'ambiance, comme elle ferme tard, elle passe d'abord au magasin. Elle vend d'abord, elle achète d'abord l'argent avant de rentrer. Ma calcul, ma plan. Là, quand tu dépenses, tu récupères encore. C'est ça, c'est tout. Anders, vous pouvez. Non, Sist. Tu as compris l'histoire là. Quand tu dépenses 100 euros chez Cynthia, tu vas d'abord au magasin, tu vas encore les 100 euros là. Tu remets le bénéfice. Tu remets le bénéfice là. Là, ta peau, c'est ça même. Comme l'avant de partir, je livre la bosse Star Beauty. Il n'y a pas de filtrate, hein. Demande à maman, mémé. Elle m'a dit, non, c'est ce ton teint déjà. Là, je t'ai vu vendre les trucs ici, là, mais là, ton teint déjà. Tu as le teint. Là, tu es comme, tu vends le. Tu dois refléter ta. Je suis déjà. Sans filtre. Elle est là, mémé. Elle m'a dit, insiste, non, ton teint donne. Eh si, c'est pas vrai. Ton teint déjà propre. Voilà. Ah, propre. Bien sûr, sans, je n'ai pas besoin même de me filmer avec le Choronko et Megan. Tu me vois en live, je n'ai pas besoin de Choronko, je n'ai même pas besoin pour me voir en live, c'est l'idéal. Tu me donnes rendez-vous, je viens. Sans, tu me donnes rendez-vous, je vais venir, je n'ai pas peur de venir. Parce que ce que tu vois devant l'écran, là, tu vas voir ça en face, plus propre même encore en face. En face, maman Julie, j'ai vu, on s'est vu hier, maman Julie, elle a vu mon teint. De l'intérieur comme à l'extérieur. J'ai mis, non, rien. Donc le tchoron quand même, c'est pas beau. Donne-moi rendez-vous, je viens. Avant de prendre mes produits, je vais venir. Tu me vois en face. C'est simple comme bonjour. Tu me donnes rendez-vous, je viens. Parce qu'il y a. Si c'est pas ici, c'est prochain. Non, je pense que. Si c'est pas ici, c'est le prochain. Mais je pense que c'est ici. C'est là où il y a les 40 tours. C'est ici. Franchement, ton teint est propre. Et voilà, maman. Tu me vois. C'est naturel, ça a de l'éclat. Ma peau, c'est. La nuit comme en journée, ça a de l'éclat. Donc, il n'y a pas que alors? Tu vas voir les veines quelque part, non. C'est naturel. Jean-Bas. Naturel. Oui, oui, parce que j'ai fait même le tour, là. J'ai confondu même les entrées. Alors. Je pense que ça ici. Ouais. Confondre. Exactement. Dans ma moune. Tu vois, quand même, il y a toujours la lumière là-bas. Ah, donne-moi rendez-vous, je vais venir.
du pied en haut, hein, je jack. Uniforme. T'es ici. Je vais me mettre où là? Hop, 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 hop. T'es ici devant. Elle sort, hein. Ouais, Dora, elle n'a rien dit de ma part, donc faut pas insulter. Non, je peux pas, je... C'est un filtre. Je disais que le commerce est grave. On n'a plus de vie. Mais le week-end était fructueux dans tous les cas. C'est le plus important. Et je dis encore un gros big up à la team de vérité. Hein. Team de vérité qui est là, qui fait du bon travail. La réception chez la veuve, impeccablement. Mais ça, d'où ça te va? Impeccablement, très très bien faite, la réception. Rêve Mbiaï, aussi chaleureuse qu'on la voit dans les directs. La Black Beauty, gracieuse comme on la voit dans ses directs. Mm-hmm. Vraiment gracieuse. Je ne sais pas si elle est dans ce direct, mm-hmm. mais faudrait qu'on s'explique. Faudrait qu'on s'explique parce que hier, j'ai appris vraiment la famille de... Je connais bien sa famille. Mm-hmm. Très bien même. Très, très bien même. Franchement, on n'a pas eu le temps hier avec les rendez-vous et tout, mais... Si tu es dans ce direct ou quand le direct finit, il faut qu'on s'appelle là, parce que je connais bien la famille. Là, on a eu de bons rapports pendant longtemps, mais je ne savais pas que c'est son père. Voilà. Je n'ai pas envie de donner le nom de famille ici, mais... Ah, le monde est petit. Le monde est vraiment petit. Hein. Faut pas faire du mal, hein. Le monde est tellement petit. En ce moment, Black Beauty, je vois d'où vient ta gentillesse. C'est sanguinaire, quoi, la gentillesse chez vous. Vous avez déjà compris l'explication, vous écrivez gros explications. Voilà, c'est des bonnes explications. Parce que hier, quand on était au Phuket, on a le rendez-vous là-bas justement, on a fait allusion et on m'a bien expliqué qui est Black Beauty. En fait, de quelle famille? J'ai dit, waouh, c'est une famille. Namon Megan, s'il te plaît, laisse. C'est une famille, que je connais bien. C'est pour ça quand les gens parlent du tribalisme dans les réseaux, quand vous ne connaissez pas, faut vous taire. Parce qu'il y a des gens qui ont des familles, c'est-à-dire qui sont enracinés avec certaines familles. Et ça, c'est le cas de Black Beauty. Hein. Mon papa et son papa étaient comme ça. J'ai vu son papa avec mes yeux. Waouh. Ouais. Vous voyez ça, le monde est petit, hein? Voilà, j'ai vu son papa, quelqu'un de très gentil. Et il m'a gracieusement logé plusieurs fois. Mon fils vient découvrir. Vraiment, le monde est très petit. Le monde est petit, hein? Vous voyez ça? Gracieusement. Hein? Arrêtez de faire du mal, hein? Ah. Très très gentil. Nobody can know. Très très gentil. Nobody can know. Je m'appelle une fois, il m'a donné un 4x4 avec chauffeur jusqu'à Yaoundé. Son père. Mais dit mon parce fils. Parce que papa aussi était. Oui, c'était l'ami à mon père, non? C'était... Papa. Ah, il me dit mon fils, quand tu viens comme ça, il n'y a pas que ton père là. Nous aussi, nous sommes aussi tes parents. Quand tu viens, je dois te recevoir. Les enfants des bobos. Nous, moi, j'allais puiser l'eau. Vraiment, pour l'eau. Manger. Ah. Ah, les enfants des bobos ici. Et nous dit, autres. Quand tu viens ici, je lui dis, mais papa, mais ça, il me dit non. Tu vas là-bas à Yaoundé. Mais quand je t'aime, assiste. Tu vas là-bas à Yaoundé. On ne sait jamais. Va avec mon fils là, comme ça il te contrôle là-bas. Julien doit être de côté. De voir. Nobody.
Donc Black Beauty, il faut la respecter. Ah. Elle est d'une famille noble. Tu as dit Facebook mélange. Elle est une famille noble. Regardez la. Nobody can know. Noble. Vraiment. C'est vrai. Nobody can know. La vie si. tu sais pas où tu vas tomber demain. Où ton enfant va se retrouver demain. La vie si. Évitons de faire du mal. Je dis ça tout le temps. Vous pensez que oh, nous, on ne peut pas parler. On ne peut pas insulter. Vous êtes les insulteuses de talent. On vous avait même le bac plus 58. Parce que non. Je parle bien. Bien. Life is full of surprise. I tell you, my sister. Donc, dis-le bonjour, Star. J'ai prié mon petit frère. J'ai prié. La vie, si maman Julienne, faut vivre dans la joie. C'est le croissant, la vie. C'est bon. Faut vivre avec l'amour. La vie, si. Je te suis beaucoup, mais c'est ma première fois de commencer. Oh. Ah bon, maman Mégane, merci beaucoup, ma soeur. Désolée encore pour ma fille Dora. Elles sont sans chauffe. Et dès qu'on touche à sa matière, elle bondit comme le chien. Le chien. Oh, j'ai confondu l'entrée plusieurs fois. En plus, c'est là, ce n'est même pas ici. T'as vu, mais bon. D'abord, Dieu, mon petit frère d'Angelo. Bonjour, ton petit frère d'Angelo. Bonjour, d'Angelo. Amen, Sandel. Mabi, bonjour. Assa. Quand tu vois les gens bien élevés sur la toile. Merci, Théodore. Quand tu vois les gens bien élevés sur la toile, faut chercher quelle éducation ils ont eue. Donc je comprends. Et ceux qui sont mal élevés, va aussi chercher leur éducation. Non, mais j'ai compris ça hier avec... quand on m'a parlé de la famille de Black Beauty, j'ai dit, waouh, ça se comprend. C'est-à-dire, quand tu es issu d'une bonne famille, bonne éducation, ben les gens qui sont nés dans les lobbies se sont retrouvés en France par hasard, à tout hasard. Au fait, mon beau-frère... Il a fait monter plus de 300 personnes en Europe, surtout en Italie. Donc, c'est bon. Lui, il a les frères partout. Son feu papa était. Papa n'a gentil. Mais tu n'as pas vu le gars qu'on a retrouvé aux États-Unis? Oui. C'est mon père qui lui a donné un visa. Pour aller en Italie, des masses. C'est-à-dire, quand tu es. Son papa a bossé. Les gens qui sont. Mal élevés là, tu vois qu'ils ont grandi dans les... Faut que, hein, comme la France commence à rapatrier même là, faut rapatrier tous ces gens là. Parce que vraiment, ils polluent. Sont nés dans... Bonjour la vie. Coucou. Bonjour. La grande, c'est... J'espère que vous avez passé une joyeuse Pâque. Tu es au contrôle de tout. Hein. De tout, c'est ça. Exactement. Donc c'est ici qu'on tourne, ici derrière. C'est ici que j'étais tout à l'heure. Là-bas, là derrière, on ne pouvait pas, comme c'était censé, on ne pouvait pas rentrer. Donc, il fallait tourner de l'autre côté. Comme la France a commencé, là, il faut vraiment rentrer, faire toutes ces personnes qui n'ont aucune éducation. Faire la razzia. Exactement, le vrai mot même, razzia. Parce que vraiment... Bonjour, maman Tédo. T'as dit, j'aurais pu... En plus, c'est une petite fille, hein, Black Beauty. Oui, elle est petite. Quand tu vois Black Beauty. Si, c'est une petite. Parce que tu vois comment. Et dès que son père, quand je la vois, je sais même pas si à l'époque, je pense même pas qu'elle était en Europe. Je pense pas. Tu vois l'éducation, c'est là où tu sens que vraiment. Et pète qui sont là. Mal élevé sur ma page maintenant, je te bloque et je bloque tous tes parents et tous tes amis. Mal élevé sur ma page, je rentre dans ta famille. Les gens l'expression aussi. Répète un peu, mal élevé. Mal élevé sur ma page, je bloque toi et toute ta famille et tous tes amis.
on ne, vraiment, on est mal élevé là. On ne le... Mal élevé sur ma part. Je bloque tes parents, tes amis et toute ta famille. On est plus. C'était le mélange là. Nous, les enfants bien élevés, on va marcher entre nous. C'est comment? Comment on est tous sur Facebook? Là. On se mélange. On se bloque. Et on bloque. Je bloque tes parents et tes amis. Toute ta famille. Je vais rentrer dans vous, je vais vous chercher. Maman Théodora, à partir d'aujourd'hui. Je bloque tout le monde. Je veux plus. Mal élevé là. On te bloque tes amis et toute ta famille. Il n'y a plus. Non, non, non. On va marcher entre nous. Ah, maman dit que. Aïe! Oui, amen, maman. Amen. On va marcher, non, marcher oui. Entre nous, les enfants bien élevés. Parce que. On bloque même leurs ancêtres. Parce que même les aïeux. Même les aïeux. Parce que, hein, parce que la villageoiserie, là, ça le quitte jamais dans le corps. Hein. Tu naturel revient au galop. Tu vas faire comment. Tu vis avec les gens bien élevés. Même leurs ancêtres. Tu vas faire la villageoiserie, va seulement revenir. Dans le nouveau blocage, quand on te bloque. On va sentir que voilà quelqu'un qui est qui a parachuté par la France, quoi. En fait, c'est en Europe. Parce que vraiment. Dans le nouveau blocage, on te bloque. On bloque tes amis. On bloque toute ta famille. On bloque tes aïeux. C'est bon, là. C'est fini. Ah, tu as fini avec ce matin. Et c'est parti, on va prendre ça. Que nouveau blocage, on bloque. Tu comptes, amis, famille et les aïeux. C'est pas normal. Ah. Tu peux te retrouver en train de tenir un langage que tes camarades de classe et peut-être les amis à ton père on se dit mais c'est quoi le langage que cette personne a? Tout ça c'est Facebook. C'est pas l'éducation qu'on a reçue. C'est pour ça qu'il faut avoir la maîtrise, ne pas répondre. Ah oui. Il faut avoir la maîtrise de ne pas répondre, c'est la clé. Tu réponds, tu vas te... Le général disait la dernière fois. Mmh. Il dit mon fils, j'ai vu quelque chose mon fils. Ne fais plus jamais. J'étais dans le tien même honte. Oui. Le père, le général. Attends. Il me dit, mon fils, qu'est-ce que j'ai vu là? Non. Il dit, tu as vu ma fille? Ma fille, viens ici. Ma fille. Il me dit les choses comme ça, mon fils. Tu gardes ça. On est ici au Cameroun, on va le frapper. N'entre plus dans les trucs là. Ne réponds pas. Il dit, c'est quoi ça? Dans 200 mètres. Et tout ça. Parce qu'il va faire des recherches, il tape seulement mes sangs. Il me dit, mais mon fils, il fait plus check. Jamais ça. Si tu es à côté, il dit que la personne là, il te fait un check. Le général là, il te fait un check. Ne lui donne pas ton nom. Quand il a dit à ton nom. Il te fait un check, non, c'est vrai. Là. Hey. Non, c'est grave. Il dit telle personne là. Ne t'affiche plus avec telle. Ne fais plus avec telle. Tu me connais, non, avec mes amis interminables. Non, il nous invite à manger. Il dit bon, voilà. On est là. Il a vu, il m'a appelé à côté. Pendant qu'on mangeait là. Il me dit mon fils. Comme tu sors là. Ne te mélange plus. Celui-ci. Qui est là chez moi. On était chez lui. Mm-hmm. Il me dit celui-là et celle-là. Celle-là. Il ne fait plus. Mais là, mon père, il y a un nom, je te dis. En direction de Paris. Ok. Dangereux. On te sort tout, même ce qui est en cours, ce qui est passé, ce qui peut encore te rattraper demain, c'est là. Ça, les gens sont au monde aujourd'hui. Il faut faire attention. Faire attention. Parce que toi, tu gardes l'amitié, tu vois. Oui. Mais entre-temps, quelqu'un a changé. La question il a sorcier, oui, oui, il a une autre vie que tu connais pas. Et pourtant, lui, on le maîtrise bien. On le contrôle même. Et tu t'affiches juste avec lui. Et puis on s'est dit, hey, il rigole. Donc lui aussi. Toi, tu ne connais pas mon mari. Donc lui aussi, tu n'aurais pas posé cette question. C'est pas mal. Donc, il faut faire très attention. Bon, il y a maman Juliette qui dit, madame est censée te poser la question à ton époux, que pourquoi c'est déjà les compatriotes de la France qui sont déjà mal élevés dans les autres pays. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Point d'interrogation. Je ne sais pas dans quel pays. Ça, c'est une très bonne question. Mm-hmm. Mais je ne sais pas dans quel pays tu es.
Mais quand toi tu regardes dans les réseaux là, je répète, prenez cahier marqué dicté. Les personnes les plus mal élevées sont en France. La France est le pays où, c'est-à-dire la France est comme Facebook. Merci maman. La France est comme Facebook. Aucune réglementation ne respecte rien. Regarde même là, on marche la route. On est sur l'autoroute là. Ça faufile. Non, les Allemands, les Suisses, les Américains encore. Bon, il y a toujours des exceptions. Hein. Tu vas aller dans les pays, tu vas trouver les gens qui sont partis du village aussi. On ne sait pas comment ils sont retrouvés aux États-Unis. Mais quand on parle d'un pays, c'est la majorité qu'on prend, ce n'est pas la minorité. Il y a toujours des exceptions. Mais en France, c'est un désordre, c'est infernal. C'est infernal. C'est-à-dire. Ah, ben voilà. Ben voilà. Comme je dis très souvent, en France, c'est Ayurla Yaba. C'est-à-dire. Sans foi ni loi. Ils s'en foutent de tout. Ils s'en foutent de tout. Même au tribunal, tu amènes quelqu'un, il te dit je ne pars pas. Il n'y a qu'en France que ça existe. Tu peux faire ça en Allemagne ou en Suisse. Tu l'amènes au tribunal, il te dit je ne pars pas. Il écrit au juge. Le juge envoie le truc. Il dit il faut qu'on l'attende. Trop de désordre dans ce pays. J'ai dit que Facebook, c'est comme la France. C'est-à-dire la France, c'est Facebook en miniature. Quoi. C'est un de côté. Non, il y a du respect en de côté. On respecte les grands en de côté. En de côté, c'est les étrangers qu'on n'accepte pas quand ils viennent à faire du désordre. Mais les autochtones, les habitants, non, il y a du respect. Mais ici, là, il n'y a aucun respect. Assurer samedi soir une ambiance de bon enfant. Ici, il n'y a aucun respect. Moi, je me rappelle quand à l'époque, en 90, on allait jouer à Gennevilliers. C'était le repère de tous les Africains, surtout des Camerounais. Voilà, et en Allemagne, il y a en France, c'est le quartier. Ben voilà. Ici, en Allemagne, on ne rigole pas. Je vis en Suisse. Je vivais en France. Tout le monde fuit la France à l'Est. Non, la France est. Même en Italie, il y a les villageois. Sauf que ici, il y a la pauvreté. Et les villageois n'ont pas de connexion. C'est vrai ce que tu dis, le père, mais j'ai vécu en France, non? Est-ce que nous sommes partis. Nous sommes partis pourquoi? Parce que. On a trouvé cette grande différence. Tu ne peux que parler d'un pays. Il vient à Paris. Ça, c'est un ancien Parisien. Tu ne peux que parler d'un pays que tu maîtrises. Moi, je suis parti d'ici en 94. C'est un ancien Parisien. Je sais ce que c'est. Quand je parle de Gennevilliers, les anciens, ils se retrouvent. C'était le fief à Gennevilliers tous les dimanches. C'est-à-dire, quand tu cherchais un Camerounais, viens à Gennevilliers, tu le retrouves. Le dimanche. Entre 10h et 18h, 19h, tu le retrouves là. Aujourd'hui, quand on voit les gens qui ont parachuté, ils sont venus par les caves de bateaux. On a fini leur vie en route. Ils arrivent en épave ici. Ils veulent nous mettre dans leurs histoires. Parce que on est tous dans Facebook. Je dis que je vais bloquer toute votre parenté. Et les amis et tout à côté. Il n'y a plus de mélange. Je vais même aller déterrer vos aïeux, je vais mettre dedans. Un grand bonjour, Ernestine Gage. Série à gauche vers périphérique intérieure. À un moment donné, il faut. Attends. Et un grand bonjour, je veux te demander un service, s'il te plaît. Série à gauche vers périphérique intérieure. Ernestine, elle dit quoi? Elle veut te demander un service. Ernestine, vas-y, non? Si c'est pour que je te prête ma femme, ça ne va pas. C'est le seul service que je refuse à tout le monde. Celui-là, je ne peux pas. Hein, Ernestine. Ernestine, ça c'est un nom d'un camarade de classe. Ernestine, ça c'est une fille. Oui, une camarade de classe, pardon. Ouais, ce nom langandeux, je serais que c'est pas elle. Ça, c'est. Maman, je l'ai eu. C'est un nom que j'ai connu à Macaque.
Hein? Merci maman. Ernest, Ernestine. Pour avoir un teint propre, sans filtre, qui brille, qui shine. Mais qu'il va pleuvoir. Hein? Oui. Il a plu hier. À quel moment? Des produits sans hydroquinone. Donc comme j'ai dormi toute... j'ai pas senti ça. Il a plu hier. Nous avons des gommages à base de papaye, vitamine C. Nous avons les gammes au teint clair. Nous avons des gammes moi, je suis sorti au noir. Je suis sorti de l'hôtel à 21h. J'ai dormi toute la nuit. Nous avons du savon à base de lait donc, de chèvre. Mais à 21h, il ne pleuvait plus. Non. Huile de coco. Savon, lait de chèvre. Il a plu hier. Waouh. Je n'ai même pas senti ça. J'ai l'impression que ce matin, ça va le prendre. Alors que la météo avait dit qu'il pleuvait. Continuez avec les produits Stabuti. Vous voyez mon teint, c'est sans filtre. Regardez la météo de Paris. La météo, la même. Elle se trompe. Quand elle se trompe, mais avec le monde aujourd'hui, qu'est-ce qui est encore juste? Tout le monde. Tout le monde se trompe. Amour, Julie, on va bien faire la pub à la maison. Donc, Stabuti, utilisez nos produits. Nos produits sont Julie, sans hydroquinone. Julie, nos produits sont. Julie, vous nettoie, illumine. Ça illumine, ça traite. Vous savez, l'acné sévère, nos produits nettoient tout ça. Mais avec le temps. Ce n'est pas en une semaine, ce n'est pas en deux semaines. Chacun a sa peau. Donc moi, ça peut vite marcher. L'autre, ça peut peut-être prendre seulement un mois. Donc c'est doucement. Avec les produits Star Beauty, tu dois, comme on dit, je t'espresquis le temps. Une prescription du temps. Tu ne cours pas. Quand tu utilises nos produits. À Paris, même quand c'est férié, les routes sont pleines. Voilà. Même le jour férié. Une personne, ça peut te donner une à deux. L'autre, ça peut donner deux à trois. Ça dépend de tout un shampoing. Ça te nettoie. La peau brille. La peau est soignée. Mais ce n'est pas le fait vraiment d'avoir une peau qui brille. Tu as une peau, mais en tout cas, ici est rouge. Ici est violet. Quand on regarde le sein-ci est vert. On regarde ici, là. C'est chocolat. Chocolat, genre. Personne ne voulait mettre. Donc, voilà. Chocolat. On regarde le doigt. Si le doigt s'y est violet, ça y a 3 taches. Ici, il y a 20 taches. Non, avec nos produits, ça. Tu as le teint uniforme de là à là. Regardez. C'est ce qu'on a pris. Les pieds aussi, pareil. Pour l'instant, c'est Lyon. Attendez, je vais vous montrer. Lyon est vrai. Oui, c'est là. C'est la As. Oui, c'est la As. Pareil. C'est la As. Puis, pareil. Sur votre trajet. De l'orteil en haut, pareil. Il n'y a pas entrejambes. Pareil. Les aisselles. Les entrejambes. Montre les entrejambes. Je n'ai pas de culotte. Si j'avais un culotte, j'allais montrer. Vous pouvez voir les entrejambes. Parce que nous, on fait avec les preuves. Est-ce que vous voulez voir les entrejambes? Je sans filtre. Vous entrez dans une zone de contention. Je vais essayer. Ah, merci ma Julie. Et en plus, vous allez bientôt, par la grâce de Dieu, avoir mes produits dans le salon de Julie. Julie a un institut de beauté. Elle traite les peaux de femmes, le visage. On fait des traitements. Des traitements. Elle épile aussi. Hein? Elle épile aussi les femmes. C'est ça, non, maman? Hey, tu n'épiles pas les hommes, Julie. Je n'ai même pas posé la question hier. Parce que vraiment. Non, allez, maman Julie, elle a son institut. C'est chic là-bas, c'est beau. C'est. Ouh là là. Elle sait faire son travail. Julie, tu n'épiles pas les hommes. J'en ai marre de me faire épiler par la star, mais ça, je veux changer. Si tu épiles les hommes, dis-moi. Coucou, Hervé. Le week-end prochain, je serai sur Paris de nouveau.
On verra. Bientôt. Ah, voilà. Attends, je vais épingler. Voilà l'adresse de Mamoun. Voilà. Vous avez son adresse. Julie, est-ce que tu épiles les ongles? Aurélie Wandi. J'en ai marre de l'épilation de la star, faut changer. Elle n'épile pas, elle veut conserver ses yeux. Elle n'épile pas les ongles. Julie, est-ce que tu épiles les ongles? Non, elle n'épile pas les ongles, que les femmes. Viens me répondre ici. Julie n'a pas encore répondu. Elle a répondu. Elle non, a dit, je n'ai pas. Ah ça! Non, je n'épile pas les hommes. Elle ne peut pas. Comment ça, tu n'épiles pas les hommes? Ah, tu vois, en allant épiler là, tu vois un bazooka. Tu vois. Tu ne seras jamais riche. Tu vois. Hé, Julie. Hé, Mamoun. Tiens, le mari de toi, Julie. Mais, couchez-vous là. Julie, mais maintenant, il faut enlever partout. C'est pas pour l'homme là, il faut soulever, il faut aller à gauche ou aller comme ça. Hey Julie, tu ne seras jamais riche. Non, ah ben, tu rates le jackpot. Le bâton de bagnole va devenir gang 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 ici. La Julie va faire comment? Maman, tu as raison. Pardon, on va aller là-bas, c'est très dangereux. Non, on va dire que aïe. Tu as déjà fait, voilà ça maintenant. Je fais comment? Ça doit descendre. Non, mais tu rates le jackpot, Julie. Est-ce que les hommes se pilent plus que les femmes? Mais là, tu rates le jackpot. Tu ne seras jamais riche. Bon, pour les hommes, c'est dangereux. Il faut mettre le compartiment homme. Nadine Agenté. Il faut mettre le compartiment homme dedans. Je te le conseille. Elle ne peut pas. Aïe. Tu as peur de quoi? Quand toi on te voit là, tu veux savoir quelqu'un qui a peur de quelque chose? Je lui dis oui, à condition que madame est sans soit à côté. Alors, on va la mettre dans l'autre chambre. Non, j'ai déjà tout de problème comme ça là. Allez encore chercher d'autres problèmes. Non. J'ai dit, maman, non, je ne veux pas de problème. Attention. Tu danses seulement devant l'écran, j'ai des problèmes. Maintenant, je ne vais pas te livrer au rang. Non. Dieu non, ne veut pas des problèmes. J'ai dit que c'est ce qui donne l'argent. Dangereux dit quoi? Il avait Monica. Ils sont en train, c'est pas son alors. J'ai peur, je crains Dieu. Tu crains Dieu? Voilà le bail. Julie, tu es grave. Julie a fini avec toi. Tu as parlé là comme une ivoirienne. Je lui dis que crée-tu, elle ne veut pas les problèmes. Julie veut vivre longtemps, elle ne veut pas les problèmes. Tu as parlé comme une ivoirienne. Julie dit qu'elle crée-tu, elle ne veut pas les problèmes dans ton histoire là. Mais Dieu veut la propriété, non? C'est la propriété. Dieu a dit soyez propre. Dieu aime la propriété. Quand tu es soigné, quand tu es soigné, tu rentres vite. Les portes du paradis s'ouvrent très très vite pour toi. Quand tu es... Mon état hein? En tout cas, Julie, on va régler ça. Zéro réglage. On va régler ça à 9. Maman a dit qu'elle craint Dieu. Non, on va demander pardon après. Maman, tu crains Dieu, n'accepte pas. Dieu a dit de pardonner 99. Regarde le teint de l'enfant. Vous-même, regardez le teint. 99,99. Where are you? Regarde, même le dimanche. Ouais, look at that beauty. Even. Look my skin, people. Look off my skin. Il n'y a pas de filtre, hein. Là, même, c'est bien dans la première.
C'est chaud là. Oh. Merci le groupe. J'étais mangé à la base navale le poisson, les gambas que je ne trouve pas vraiment bien reçu. Merci. Ah, elle est partie manger chez la maman Basala à la base. Ah, super maman. Manuela, Pierre. Elle est très gentille, maman Émilie. Elle donc, mange et elle braise bien. Donc elle t'a fait le pourcentage par rapport au couple maison. Hein? C'est bien. Non, là, les gambas de la femme là. Ça a le C'est quand on était donné les dons la dernière fois. Parce que c'est après les dons que nous sommes passés là-bas. C'est pour ça du partage des PTT. Tout à fait, elle prépare très bien. Elle prépare trop bien. Ça, c'est une maman depuis, depuis plus de 10 ans. Oui, depuis. La maman. Quand on parle, j'appelle, je dis maman, nous sommes en route. Depuis plus de 10 ans. Tes poissons, on trouve qu'il y a d'apprécié. Mange. En tout cas, la famille, c'était un bon week-end. Hein? Oui. C'était un week-end gracieux. La maîtrise en soi. Ça c'est un travail interne, ça c'est un travail, c'est un travail vraiment interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir surpasser certaines choses. Tu vois quelque chose qui est, je crois que je dois sortir, qui est sûrement choquant, mais devant tes yeux tu minimises, tu dis ah quand. Parce que si tu gardes dans la tête, d'un ça peut te rendre malade, je sors, ça peut te faire devenir... Hein, mais si tu banalises la chose qui est tellement fort, tu dis ah je m'en fous de ça, c'est arrivé. Tu prends des exemples qui sont plus durs, tu dis voilà une personne peut-être qui a le cancer, voilà une personne qui vient de mourir, mais moi je suis en vie juste parce que peut-être personne m'a insulté, juste parce qu'on m'a traité de ci. Tu dis ah c'est rien ça, ça fait partie de la vie. Donc du coup tu te trouves des excuses, voilà, et tu ça passe comme s'il n'y avait rien dans ta vie. Voilà, faut avoir la maîtrise là, c'est ça. Il faut travailler son mind sense. Si tu es quelqu'un d'impulsif, tu travailles le côté là, parce que la majorité des personnes qui réagissent sont les gens qui sont impulsifs. Quand tu es impulsif, tu réagis vite, sans te contrôler. Ça arrive, tu sautes, boum boum, ah, toi c'est qui, après tu regrettes, tu dis si j'avais pris un peu de recul, peut-être j'aurais dit ça. Quand on joue beaucoup, on a beaucoup de réserves, c'est ça. Il y a beaucoup. La majorité des femmes que vous voyez sur la toile, elles ont le truc dans la tête. C'est ça qui. Ça ne sort pas. Quand ça ne sort pas, c'est emmagasiné dans la tête, ça les rend. C'est... Pour ça, vous voyez toutes ces manifestations. Ce n'est pas seulement la maîtrise. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Quand on n'est pas. Quand on n'a pas de l'amour dans le cœur, quand on ne reçoit pas de l'amour, c'est normal, il y a tout ça. Il y a beaucoup de paramètres qui font que les gens deviennent indésirables. Mais nous ne sommes pas... Il y a beaucoup d'humour, beaucoup. Nous ne sommes pas la résultante de leurs torts, des torts créés par leur vie. Hein. Franchement, on ne peut pas payer pour les autres tout le temps. On peut payer un moment, on peut pas tout le temps quand même. C'est le plus grand blagueur qui existe, Tani. C'est pour ça. Pour ça, la toile là. Je dis que entre nous, on va rester entre nous, les gens bien élevés. Les gens qui sont arrivés par les cales de bateau là. On va vous remettre. On ne vous remet plus dans les cales. On vous laisse dans la mer. Vous demandez à les requins là-bas. Tani, maman. Ta fille est modérée. C'est le plus grand blagueur et intrigueur. Si il t'intrigue, si tu n'as pas le cœur, Mamoun, tu vas pleurer.
C'est un intrigueur de feu. Lui là. Il peut t'intriguer. Tu attrapes ton cou comme ça là. Attention. Il faut passer une journée avec lui. Tu vas rire, tes côtes vont te faire mal. Il va t'intriguer, tu mets le type si. Donc c'est comme ça qu'il est. C'est un intrigueur de feu. C'est rien. Papa n'a un intrigueur de feu. Il t'intrigue. Tu vas te mirer 100 fois. Et moi, il a dit que nous allons sauf que rentrer dans le cas du bateau. Tu as toujours dit que. Passez vos commandes des produits Star Beauty, passez vos commandes, nos épices, les épices sont arrivées à Paris, à les épices Star Beauty à Paris. Coucou Liliane. Oh, je vais faire comment? Je vais faire mon magasin de vêtements. Ok, maman Liliane. Félicitations pour ton magasin, maman. Emmanuel, aïe. Je ne lis pas ça, sinon le papounet va bondir sur ton commentaire. Mais en bien, il va commencer à faire la talakou. Je ne lis pas ton commentaire, mais merci. Le 0049. S'il vous plaît, maman Julie, s'il te plaît, tu peux noter. Le 0049 152 16 66 85 35. 0049 152 16 66 85 35. C'est bon. Ok, tu m'appelles. Après le direct. Les épices sont arrivées. Le Mbongo est déjà à Paris. Vous pouvez procurer déjà vos épices. Les produits sont à Paris. Les produits intimes sont à Paris. Voilà. Pour les perruques, ça se passe sur commande. J'ai pas le stock. Tu vois la 86 là-bas. J'ai pas le stock. Je vois ta perruque, tu passes et je passe la commande. Donc, le temps que ça arrive chez moi, c'est 4 à 5 jours. Et quand ça arrive chez moi, et je vous livre. Merci. Merci mon petit frère d'Angèle. Donc, voilà. Donc quand vous passez la commande de perruque, vous avez merci une semaine. Merci une semaine ou 10 jours. Pardon. Donc pour les condiments, gâteaux culinaires, vous avez celles qui sont à Paris, les produits sont à Paris. Celles qui sont loin, vous passez la commande, on livre partout. On livre partout. N'hésitez pas, merci du soutien, merci d'être là auprès de Couple Maison, merci de me soulever comme on dit, et merci de vos conseils aussi, parce que ah oui, les conseils il y en a. Merci, merci beaucoup. Alors on se dit à tout à l'heure, hein. Nous on est en livraison là, après on boit un bon café chaud quelque part. Je finis vite avec mes deux femmes là pour que je prenne l'énergie.
Parce que vous savez que moi, je suis le polygame le plus populaire de la droite. Le seul qui ne se cache pas et qui avait les bonnes femmes. Les bonnes femmes qui libèrent et qui donnent les vrais conseils. Les vraies femmes qui te disent que calme-toi maintenant. Maintenant, tu dois nous écouter. Hein? Vous avez vu les... Nos quatre yeux sont derrière. Hein? Vous avez vu les quatre yeux, non? Ah, est-ce qu'elles ont... Est-ce qu'ils ont vu les quatre yeux qui sont derrière? Madame Messam. Oui. Les quatre yeux sont derrière. Oui, j'ai vu. Elle les voit, elle voit à distance. Voilà nos quatre yeux là, qui sont derrière. Donc, quand elle dit stop, même si j'étais dans le marathon, je vais tourner la piste. Pourquoi tu n'es pas arrivé tard? Pourquoi c'est à ce moment que tu arrives quand je me lâche? Donc, ça, c'est ça les bonnes femmes, hein? Les vraies. Vous voyez qu'elle est déjà... Oh! Non, je ne suis pas content, hein? Je ne suis pas content, monsieur Ducamé, je ne suis pas content. Comment ça? Voilà, on avait un programme hier qui a fait comme ça. Ce n'est pas normal, hein? Non. Tu m'as pas, tu m'as dit. Mais c'est pas grave, j'ai compris que c'était la fatigue aussi. Non. J'attendais le rendez-vous, tu sais comment j'ai forcé. Ouais, j'attendais le rendez-vous, j'attendais que tu me dises. On m'entend pas. Je reste là. Vas-y. Hein? Échange avec ça. Le président de Brésil. J'ai compris que c'est la fatigue. Tout le monde est fatigué. Donc vous comprenez que le grand-père est encore très fort. On fait le même mouvement, vous êtes fini. Hein? Vous êtes fini. Moi, je suis là, je tiens toujours. Hein? On ne prend pas les mêmes vitamines. On ne prend pas les mêmes vitamines. Ma fille jaloux de mes sabons, mon bébé. Moi, mes vitamines viennent des États-Unis. On ne prend pas les mêmes vitamines. Ah. On ne prend pas les mêmes vitamines. Oh. On fait le même mouvement. Les enfants de 40 ans sont finis. Là. C'est comment? Oups. Oups. C'est reparti. Hein? Relance. Relance, c'est parti. 5. On dit impossible, sort, tu relances. C'est un problème. Après, je vais... Vas-y, alors là-bas, il faut le faire. Hein. Je disais que. C'est du comme. Oui, on prend devant. Ou bien on prend ici. Vous voulez prendre le café? Déjà. Il y a de l'espace. Déjà bien roulé. Exactement. Donc, ça ne passe pas là, du caméra. Il doit sortir. Oui, non, elle est là. Toujours là. Elle parle pas beaucoup. Elle parle trop avec les yeux. Elle observe. Elle observe, elle parle avec les yeux. Et comme on se comprend avec les yeux. Parce que les hiboux là, je vous regarde. Tu perces les yeux. Et je perce les yeux. Parce que mon petit frère et ma fille, elles sont trop laxistes de temps en temps. Je leur dis que vraiment, faites gaffe. Ça. Parce que le dehors est pourri. Ouais. Et c'est Dieu qui nous contrôle, c'est Dieu qui nous guide, parce qu'il ne faut pas qu'on le lâche. Parce que si on le lâche, alors là, on va... On a tout perdu. On a tout perdu et on va dans un labyrinthe pour qu'on nous le relève de là. Ce n'est pas évident. Ah. J'espère que vous avez passé une... Attends, arrête-moi. ...journée de Pâques. Et que tout est au contrôle. Mettez Dieu dans tout. Dieu dans tout.
Il y a certaines personnes qui disent toujours que la copine de la star. Je ne suis pas la copine de la star. Je suis pas la copine, je suis sa petite maman. Ça veut dire que je suis sa marraine. Quand elle se mariait, c'est moi qui signais. Donc arrêtez de me confondre dans les copinages de gauche à droite et tout. Non, je ne suis pas la copine, je suis sa marraine. Inès, c'est ça, tu étais à la fenêtre quand tu m'as vu, tu es entrée. Je vais bien. Ben, nous sortons de Paris là. Nous, on prend déjà la route pour rentrer. Je ne suis pas à l'aise parce que j'ai mon grand frère qui est gravement malade sur Paris. Et c'est pour ça que le mouvement du week-end, j'étais là samedi, mais dimanche, non, je ne pouvais pas. Parce que ce n'est pas évident. C'est Dieu qui a le dernier mot et on lui donne tout. J'ai pris un peu le téléphone parce que ma fille est allée quelque part. La station. Petit frère aussi. Oui, Pauline Muriel, je suis là pour brûler les sorciers parce que je les regarde à distance. Quand je te regarde, je dis, oh, cette personne n'est pas bien. C'est pas que je suis médium, mais j'ai ça en moi. J'ai la vision. Quand je regarde certaines personnes, je dis, En tout cas, vous êtes des grandes personnes, allez-y, mais je vous regarde, je vous dis non. Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Mais comme ils sont têtus, en commençant par mon petit frère, je l'accuse ici. Il est têtu, n'écoute pas. Et quand ça le brûle, c'est là où il dit, oh là 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 là. Bonjour Marie Solange Mandap. Merci beaucoup. Donc, je vous donne votre star. Maman a écrit, j'ai une autre personne qui a eu le commentaire. Il faut que je remette le commentaire sur le commentaire. Il faut que je remette le commentaire sur le commentaire. Maman, je viens de voir ton message. Ça arrive. Merci, Sidonie.